Les plus vieux récits de l'humanité ont été effacés sous des décennies d'histoire, de civilisation et de guerre. Des récits d'avant l'homme, lorsqu'il n'y avait que l'obscurité et les ténèbres qui submergeaient notre planète. Pour apporter une étincelle sur notre monde, Viracocha, le dieu suprême de la création, sortit du lac Titicaca et engendra les deux autres divinités primordiales, Iapa, dieu des phénomènes météorologiques, et Inti, le dieu soleil, qui deviendra au fil du temps le dieu le plus vénéré. À eux trois, ils formèrent la triade de divinités la plus importante du peuple Inca. Ils donnèrent naissance aux autres dieux, tels que Mama Pacha, qui représente la fertilité. C'est Viracocha qui créa la race humaine. Il la répartit en 5 âges, chaque âge ayant un peuple différent, qui devient de plus en plus sophistiqué. Les Incas étaient associés au dernier âge. En 1532 commencent les conquêtes de l'Amérique du Sud. Les conquistadors espagnols, dirigés par Francisco Pizarro, ont détruit l'Empire Inca, et par la même occasion, firent tomber l'actuel empereur de l'époque, Atahualpa. En même temps, ils détruisirent l'entièreté des villages et firent disparaître toute trace de la religion des autochtones pour répandre la foi catholique. Mais sur ces terres sauvages, la chrétienté n'a pas sa place. En réduisant en esclavage les natifs et en les obligeant à travailler dans les mines, les étrangers espagnols ont réveillé quelque chose. Quelque chose de puissant. Certains journaux espagnols racontent que plusieurs soldats auraient disparu mystérieusement, et que certains de leurs cadavres auraient été retrouvés quelque temps après, avec les veines totalement noires. Ces mêmes documents racontent que des ombres, à l'apparence humanoïde, auraient été libérées dans la jungle, afin de punir les indésirables. Ils subissaient le châtiment des dieux, et étaient jugés pour leurs actes immoraux. À travers leurs mots, on pouvait ressentir la terreur des soldats et leur impuissance. Mais de quoi pouvait-il avoir si peur? Aujourd'hui, ces lieux renferment toujours d'obscurs secrets jamais élucidés. Ça fait maintenant quelques années que je dirige une équipe de chercheurs au Pérou, sans jamais avoir rien trouvé. Mais il y a peu, nous avons repéré un sanctuaire, non loin d'un ancien village inca, dans lequel les sacrifices et offrandes en l'honneur de Supai, le dieu de la mort, était monnaie courante. De l'extérieur, on aurait dit une sorte de tombeau, vieux de plusieurs siècles. Nous devons l'explorer. S'il peut nous aider à comprendre les cultures de ces anciennes civilisations, c'est une découverte que l'on ne doit aucunement écarter. Qu'allons-nous découvrir sur ce site? Quel prix faudra-t-il payer pour y entrer et pour en sortir? Lima, Pérou, 15 novembre 2019. Préparatif de la mission d'exploration. Nom de code, Ucupacha. Demain, nous nous dirigerons vers un endroit extrêmement dangereux. Nous ne pouvons rien laisser au hasard. Nous devons tout planifier sans omettre le moindre détail. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Si nous oublions ne serait-ce qu'une seule chose, cela pourrait nous être fatal. Il nous est impossible d'entrer dans cet édifice en grand nombre. Le bâtiment, bien qu'enfoui sous la terre, est trop fragile et ne résisterait pas sous le poids des 70 personnes qui composent mon équipe. Je ne voulais pas risquer leur vie bêtement, alors j'ai dû faire une sélection. J'ai longuement réfléchi. Je voulais être accompagné seulement des meilleurs. Après avoir analysé chaque dossier, j'ai fini par choisir 3 d'entre eux. Le lieutenant William Switzer, vétéran de l'armée américaine, tireur d'élite aguerri, il connaît toutes les techniques de survie dans les milieux hostiles. C'est aussi un parfait combattant. Et il a une bonne maîtrise des armes à feu. Le docteur Manik Pakarika, descendant des Incas, très bon scientifique. Il a consacré presque toute sa vie à tenter de déchiffrer le dialecte de ses ancêtres, et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il maîtrise à la perfection. Akemi Anne Bao, journaliste de terrain pour un journal international, spécialiste des anciennes civilisations ayant peuplé l'Amérique du Sud, elle est reconnue dans le monde entier pour son travail et ses découvertes. Et enfin, moi, Sébastien Flores, originaire du Pérou, archéologue depuis maintenant 10 ans. Je suis à la recherche de tout ce qui pourrait remettre en question les découvertes de l'humanité jusqu'à aujourd'hui.
Je n'ai aucune idée de ce que nous allons trouver, et je dois avouer que le peu d'informations que nous disposons sur cet endroit ne me rassure que très peu. Ce n'est pourtant pas la première fois que je visite une ruine du même genre, mais je sais pas. Cette fois, c'était différent. J'ai l'impression de foncer tête baissée dans un lieu maudit, dans un lieu endormi. J'espère qu'il ne s'agit que d'une impression. Maintenant, il faut que je me repose un peu. Demain, je vais mener mon équipe jusqu'à Cusco, et ce sera un jour historique pour nous tous. Je continuerai d'alimenter ce carnet au fur et à mesure de l'expédition. Route vers Cusco, Pérou, 16 novembre 2019. Dernière mise au point avant la mission Ucupacha. Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange. C'est plutôt inattendu que je m'en souvienne encore au moment où j'écris ces lignes. En temps normal, je n'ai pas le moindre souvenir de ce genre de choses. Mais cette fois-ci, c'est comme si c'était ancré au plus profond de mon esprit. J'ai rêvé que j'étais seul, dans une salle terriblement grande. Elle ressemblait en tout point au lieu où étaient pratiqués les sacrifices incas, au XVIe siècle. Il y avait un nombre incalculable de cris tout autour de moi. C'était comme si des gens agonisaient, mais que la mort ne les emportait pas. Sur le plafond, au centre, il y avait un soleil gravé à la main. Une lumière en jaillissait afin d'éclairer le milieu de la pièce. Et sur le sol, juste en dessous, il y avait ce même soleil, mais avec plusieurs détails qui différaient. Le soleil était complètement noir, et il y avait une créature aux dents pointues qui couvrait un côté. Une sorte de démon. Je n'ai pu apercevoir que cela. Le reste était trop obscur, et la poussière dans l'air n'aidait en rien. Lorsque je me suis rapproché, j'ai vu trois silhouettes qui jonchaient le sol. Elles ne bougeaient pas. On aurait dit que la vie les avait quittées depuis un long moment. Et sans que je puisse finir de les analyser, elles se sont relevées en bougeant leurs membres anormalement et en tremblant. J'entends encore leurs os craquer. C'était atroce. On aurait dit que ces choses étaient comme possédées. Elles se sont tournées vers moi et se sont mises à crier tellement fort. Je n'ai pas eu le temps de voir leur visage, mais j'ai cru apercevoir du sang noir couler dans leurs veines. Étaient-ce les mêmes créatures que les Espagnols avaient rencontrées par le passé? Au même moment, il y eut une secousse, et puis c'est là que je me suis réveillé. Je ne sais pas ce que c'était, et je ne sais pas non plus quel message on cherchait à me faire passer, mais cette mission me terrifiait de plus en plus. C'était devenu un poids qui ne cessait de s'alourdir. En nous dirigeant vers Cusco, j'ai décidé d'en parler aux membres qui m'accompagnaient, et c'est là que j'ai compris que quelque chose d'anormal était en train de se produire. Quelque chose qui nous dépasse. Les trois membres de l'expédition m'ont confessé qu'eux aussi, ils avaient fait un rêve des plus étonnants. Ils m'ont décrit avec minutie chacune de leurs morts, et elles étaient toutes, sans exception, totalement inconcevables. Ils étaient tous les trois sur la montagne la plus haute du Pérou, Huascarán, et d'une lame noire, on les égorgeait et on coupait tous leurs membres. Ces morts avaient quelque chose en commun. Elles ressemblaient étrangement à des sacrifices en l'honneur d'un dieu. Mais lequel? Ils ont aussi remarqué qu'à leur réveil, ils avaient une marque sur le côté droit de leur cou. Elle était incrustée dans la chair. Manik nous a dit que c'était du quechua, la langue utilisée par les Incas. Et on pouvait lire « Wani ». La meilleure traduction à cela était « ombre ». Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Bien qu'hésitant, je n'ai pas abandonné. Nous n'allions pas rebrousser chemin simplement à cause de superstitions et de légendes. Nous devons rester le plus rationnel possible. Nous nous sommes préparés pendant des mois pour réaliser une expédition comme celle-là. Et maintenant que nous en avons le pouvoir, nous nous y rendrons, quel qu'en soit le prix. Cusco, Pérou, 16 novembre 2019, début de l'expédition. Nous avons marché dans la jungle à un bon moment afin de quitter toute civilisation. Nous avons traversé l'ancien village Inca, qui était positionné juste à côté de notre destination. L'atmosphère qui y régnait était pesante, et un vent froid s'est abattu sur nous de façon inattendue. Les nuages se sont répandus dans le ciel, tels des parasites, emportant le soleil avec eux. Plus nous nous déplacions dans ces ruines, plus le sentiment d'être suivi et observé nous rongeait. Un simple bruit de feuilles suffisait à me terroriser. Lorsque nous sommes arrivés, nous n'avons pas eu besoin de chercher bien longtemps. Nous avons directement remarqué une crevasse extrêmement large et d'une profondeur déconcertante. On aurait pu croire qu'une météorite était venue s'écraser ici. Il s'agissait bien de l'entrée du lieu. Pendant que les autres étaient en train d'accrocher les cordes pour pouvoir descendre en rappel,
J'ai vérifié une dernière fois tout notre équipement pour ne rien oublier. Nous sommes fin prêts pour arpenter un monde que personne n'a encore parcouru. Un monde vieux de plusieurs siècles. Switzer a insisté pour descendre le premier, afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun danger. Avant de s'enfoncer sous la terre, il nous a distribué à chacun un moyen de communication dans le cas où nous serions séparés à l'intérieur. Il est donc descendu. Nous avons attendu quelques minutes avant qu'il n'arrive au fond et qu'il nous donne son feu vert. Akemi et Manik étaient les suivants à s'engouffrer dans cette cavité. Je sais que Manik est tourmenté par tout ce qui nous arrive depuis hier. Il a même tenté de me convaincre de me faire annuler cette mission, et bien évidemment, j'ai tout de suite refusé. Inversement, Akemi, elle, bouillonne d'enthousiasme à l'idée de faire d'incroyables découvertes. On me signale maintenant que les deux sont arrivés en bas, et que c'est à mon tour de m'enfouir dans ce trou béant. Je ne sais pas si je pourrai continuer d'écrire une fois en bas, il y aura très peu de luminosité. Je ferai du mieux que je pourrai. Ruine Inca, Pérou, 16 novembre 2019, la mission Ucupacha. Une fois à l'intérieur, nous nous sommes munis de nos lampes torches, afin de pouvoir constater la grandeur de ce que nous venions de découvrir. Nous avons regardé tout autour de nous, et c'était une véritable mine d'or. Il y avait des fresques sur les murs, accompagnées de statues géantes, représentant des hommes sans visage, à l'apparence humanoïde. Manik, qui était très perplexe, s'est approché et a étudié chacun des monuments. Il a constaté avec stupeur que cela ne ressemblait pas du tout au style de sculpture que réalisaient les Incas. Le travail dans la pierre était bien trop précis, et les détails apportés au corps ne collaient pas aux constructions trouvées dans les autres édifices Incas. Peut-être que c'était les hommes de Pizarro qui les avaient sculptés. Afin de rendre la situation encore plus étrange, l'endroit était bien conservé. Trop bien conservé. C'était comme s'il y avait encore quelqu'un après tout ce temps, pour tout entretenir afin que rien ne s'écroule. Mais c'est complètement impossible. S'il y avait le quelconque être vivant dans cet endroit, il n'y aurait aucune chance qu'il ait survécu toutes ces années. Pendant que Manik et Akemi inspectaient la zone et tentaient de déchiffrer les peintures murales, Switzer et moi nous étions enfoncés un peu plus loin dans l'obscurité. Les deux étaient tellement subjugués par ce qu'ils voyaient qu'ils n'ont très certainement pas remarqué que nous n'étions plus là. Nous nous déplacions lentement, en prenant le soin de bien regarder là où nous mettions les pieds. Le lieutenant avançait devant moi, et j'ai remarqué, à plusieurs reprises, qu'il passait sa main sur le côté droit de son cou, le côté où il y avait l'incrustation. Je lui ai donc demandé s'il avait mal, et si je pouvais jeter un coup d'œil pour voir si ça ne s'infectait pas. Son expression de visage a directement changé, et d'un ton sec, il m'a dit que j'avais l'interdiction de l'examiner. En comprenant que sa réaction était un peu exagérée par rapport à ce que je lui avais demandé, il s'est excusé, et il m'a dit que depuis qu'on était entré ici, la marque le démangeait, mais que c'était sans importance. Il me semble que c'est typiquement le genre de détail qu'il faut prendre en considération. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que ça arrive maintenant, mais je n'ai pas cherché plus loin, et j'ai respecté sa décision, malgré que son comportement était assez inhabituel. Je ne le connaissais pas énormément, mais il n'avait jamais agi comme cela auparavant. Nous avons continué de bouger jusqu'à arriver dans une salle assez large. Au milieu, il y avait un petit monolithe. Les anciens peuples s'en servaient pour graver des messages dessus. Malheureusement, mes compétences dans le décryptage du langage inca ne me permettaient pas de comprendre l'entièreté des inscriptions. Sur toutes les phrases qui étaient inscrites, je n'ai réussi qu'à traduire seulement deux mots, et ça m'a permis de comprendre rapidement l'endroit que nous venions de réveiller. Supai et Ucupacha étaient inscrits sur cette relique. Supai est la représentation de la mort. Par peur, les Incas faisaient des offrandes et des sacrifices afin qu'ils ne libèrent pas ces démons, les Supai, et qu'ils n'entravent pas les récoltes. Contrairement à ce que pensaient les conquistadors espagnols, le dieu Supai n'a aucun lien avec Satan. Ucupacha est le terme qui représente le monde souterrain dans lequel les démons exercent leur règne. Dans la religion Inca, il existerait trois mondes qui sont reliés entre eux par des chemins. Anan Pacha représente le monde du dessus, comprenant le ciel ainsi que tout ce qui se trouve plus haut. Kai Pacha représente le monde où les êtres vivants tels que nous les connaissons vivent. Ces deux mondes seraient reliés par les arcs-en-ciel et la foudre. Kai Pacha et Ucupacha seraient, quant à eux, reliés par les grottes ou par les endroits ensevelis sous la terre, comme celui dans lequel nous nous trouvons.
J'ai rapidement fait le lien entre les statues dans la première pièce et ce que disait ce monolithe. Elles sont censées représenter des démons, les soupailles, et c'est eux-mêmes qui les ont construites. Ces sculptures ne sont pas un cas. Elles proviennent tout droit du monde d'en dessous, du monde dans lequel nous nous trouvions à présent. Une fois que j'ai réussi à comprendre, j'ai entendu des cris aigus et des choses se déplacer rapidement tout autour de moi. Il y avait de violentes secousses et j'avais du mal à tenir debout. Par la radio, j'ai entendu les cris de Malik et les hurlements de terreur d'Akemi. Je n'ai même pas eu le temps d'expliquer au lieutenant ma découverte qu'il s'est mis à gémir. Il ne cessait de répéter que sa tête lui faisait un mal de chien et qu'elle allait exploser. Il criait de plus en plus fort et je ne savais pas quoi faire pour l'aider. Il se passait trop de choses en même temps. J'étais complètement paniqué. J'ai pu voir aussi que sa marque sur son cou libérait une sorte de liquide noir dans ses veines. On aurait dit un virus ou une malédiction. Mais dans tous les cas, c'était en train de le tuer. Après un court moment d'agonie qui m'avait semblé durer une éternité, il s'est effondré sur le sol, inerte. Dans l'obscurité, j'ai aperçu une ombre emporter le cadavre du lieutenant. Je ne pouvais pas rester là. J'étais en danger, moi aussi. Alors j'ai décidé de fuir. Je suis tellement désolé, William. Je ne pensais pas que ça finirait ainsi. Je ne pensais pas que tout allait se passer si vite. J'étais terrifié, alors je me suis échappé afin de rejoindre l'entrée. À ma grande surprise, j'ai croisé le chemin d'Akemi qui courait dans la direction opposée à la mienne. Elle aussi, elle fuyait. Elle était essoufflée, et sans reprendre sa respiration, elle m'a annoncé que Manik était mort, lui aussi. Elle m'a décrit exactement la même chose que ce qui était arrivé à William. J'aurais dû prendre plus en considération la demande qu'il m'avait faite pour annuler la mission. Au lieu de ça, j'ai refusé sans même prêter attention à ses arguments. J'avais du mal à l'accepter, mais nous étions les deux seuls survivants d'expédition. Et maintenant, notre but avait changé. Nous ne cherchions plus de quoi approfondir nos recherches, ou même la moindre relique. Nous devions sortir d'ici, le plus vite possible. Il y avait toujours ces cris stridents qui résonnaient dans tous les couloirs, et ça nous empêchait d'entendre le moindre bruit provenant de l'extérieur. Rester immobile ne servait à rien, et nous rapprochait d'une mort certaine, alors nous sommes restés en mouvement. Tenter de sortir à l'endroit par lequel nous étions entrés était comme se jeter dans la gueule du loup. C'était du suicide. Les créatures avaient sûrement envahi les lieux. Dans la plus grande prudence, nous nous sommes enfoncés de plus en plus dans les ténèbres, arpentant les galeries avec méfiance. Je n'avais aucune idée de la direction à emprunter, ni même où est-ce que nous nous trouvions. Je faisais simplement confiance à mon instinct. Alors que nous étions en train d'avancer dans le noir le plus total, il y eut une autre secousse, bien plus violente et bien plus longue que la première. Cette fois-ci, c'était Akemi qui s'était mise à gémir. J'étais impuissant. Je la voyais mourir devant moi et je ne pouvais pas l'aider. J'étais une nouvelle fois l'observateur de ce spectacle morbide. Le plafond était extrêmement fragile, et il menaçait assez régulièrement de s'effondrer. Il commençait à partir en miettes, et d'un seul coup, l'entièreté du plafond s'est écroulée, entraînant Akemi sous les décombres. Une fois que la secousse fut terminée, j'ai essayé de soulever les pierres pour la faire sortir. Mais il y en avait tellement. Akemi, jamais je n'aurais dû t'embarquer dans cette expédition foireuse. Je suis désolé. Je ne pouvais plus rien pour elle. Je ne pouvais plus rien pour personne, d'ailleurs. J'avais toujours pour objectif de partir le plus vite possible. Mais tout était en train de s'effondrer. Mon périple était un véritable enfer. J'étais en enfer. J'ai couru sans même faire attention à ma respiration. Je voulais absolument sortir de cet endroit, bien que mes chances d'y arriver diminuaient considérablement. Les créatures me poursuivaient, elles aussi. Et c'est pour cela que je ne devais m'arrêter sous aucun prétexte. J'ai fini par arriver jusqu'à une salle de rituel. Il y avait du sang partout, et les torches sur les murs illuminaient très mal l'endroit. J'ai eu le sentiment que ce lieu m'était familier, et aussitôt j'ai réalisé où je me trouvais. Il y avait deux soleils, un au plafond et un au sol. Les deux étaient différents. Au milieu, sur la pierre, il y avait trois corps égorgés, avec une flaque de sang noir. Il s'agissait d'Akemi, de Manik et de William. C'était comme dans mon cauchemar. Tout se passait de la même manière, à la différence près que je discernais parfaitement qui étaient les trois personnes. Je ne voulais pas y croire, mais lorsque l'inactivité des corps a laissé place à des craquements d'os et des cris d'agonie, j'étais pétrifié. Leurs membres faisaient des tours à 360 degrés, et leurs têtes se retournaient d'une façon abominable. Lorsqu'ils se sont mis debout, ils ont crié jusqu'à provoquer une troisième secousse. Le tremblement de terre a créé une crevasse, juste en dessous de mes pieds, et je suis tombé dedans. Actuellement, je suis bloqué à l'intérieur, et je crois que j'ai la jambe en bouillie. Tout autour de moi,
Il y a des squelettes humains. Nous n'étions donc pas les premiers à nous aventurer ici. J'ai aussi compris que ces ombres étaient en fait les soupailles envoyées par le dieu de la mort pour nous punir. Nous avons subi ce que les conquistadors espagnols ont enduré des décennies avant nous. Nous avons réveillé quelque chose. Quelque chose qui aurait dû rester endormi à tout jamais. Qui sait maintenant ce qui va s'abattre sur l'humanité? Et est-il encore possible de la sauver de ce châtiment divin? Je dois être là depuis environ 5 heures maintenant. Et j'entends encore les cris monstrueux de ces bêtes juste au-dessus de moi. Je ne sais pas si je peux me hisser pour sortir. Et je ne sais encore moins ce qui m'arrivera si j'y parviens. Dans tous les cas, le voyage s'arrête ici pour moi. Personne ne me trouvera à une telle profondeur. Et personne n'osera venir nous chercher à cause de la peur engendrée par cette expédition. De plus, lorsque je suis tombé, j'ai remarqué que sur le côté droit de mon cou, il y avait une inscription dans ma chair. Un mot. Wani. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et je suis terrifié. J'ai tenté de me rassurer du mieux que je pouvais, mais en vain. Je sais que je vais mourir ici. Je sais que je vais devenir une de ces choses horribles. Et je sais que je ne peux rien y faire. Mon impuissance était totale. Dans ce carnet se trouvent toutes mes autres expéditions, ainsi que toutes mes découvertes depuis mes débuts. 10 ans de travail et de recherche pour finir dans un trou. Le destin a un sens de l'humour assez particulier. Néanmoins, j'espère que personne ne lira ces histoires. J'espère que personne ne sera assez fou pour venir jusqu'ici. Et si vous réussissez à descendre jusqu'à moi, et à trouver ce carnet sans avoir rencontré la moindre créature, il est encore temps pour vous de fuir. Adieu, Sébastien Flores.